au standard élevé. Et le sous-thème, pour vous permettre de bien vous retrouver, c'est bâtir un esprit excellent. Bâtir un esprit excellent. Nous allons lever la main dans la présence de Dieu. Lève la main dans la présence de Dieu. Répète après moi ces paroles. N'oublie pas, en répétant ces paroles, tu es en train de déclencher un cycle de faveur indescriptible sur ta vie. Tu es en train de permettre à ta vie de passer à un autre palier. Il est écrit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. En parlant ce matin, tu réduis au silence toutes les autres voix qui se font entendre à ton égard. Tu réduis au silence toutes les imprécations, malédictions et sorts qui parlent contre ta destinée. Tu es en train de briser toutes les barrières de limitation et appeler à manifestation les possibilités évidentes pour ta vie sur terre au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, c'est un privilège pour moi d'être appelé enfant de Dieu. Je suis heureux car aujourd'hui, par la sagesse que tu m'as communiquée, je me retrouve en assemblée devant l'autel de Dieu à écouter la parole de Dieu et à communier avec les saints. Merci pour mon appartenance à la grande et glorieuse famille de Dieu. Merci de m'avoir acheté. Merci pour la rançon payée à la croix par Jésus pour ma vie. Mon Père, mon Dieu, me voici. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus qu'aucune limitation naturelle, aucun concept humain, aucun dogme religieux n'empêchera à ma vie de rayonner selon les normes et les standards du royaume des cieux. Quant à moi, j'ai pris l'engagement de vivre une vie de foi, une vie bénie, une vie glorifiée, une vie éclatante, rayonnante, lumineuse, prospère au nom de Jésus. Je parle et j'annonce sur ma vie au nom suprême de Jésus que les pouvoirs malsains de mes adversaires, de l'ennemi, ne pourront empêcher le rayonnement de la gloire de Dieu au travers de ma vie. J'engage mon âme vers le sentier étroit du salut, le sentier de la vérité, au nom de Jésus. Pose ta main sur ton cœur, dis: Père, c'est pourquoi ce matin je t'en supplie, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon homme intérieur, que je sache, quelle espérance se rattache à mon appel et qu'elle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance, ce que tu as déployé en Christ Jésus, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au nom de Jésus. Amen trois fois. Acclame simplement pour Jésus et le prix qu'il a payé. Pousse un cri de joie dans sa présence. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 1 à 8, disons-le. 1 Timothée 4, verset 1 à 8. Vous y êtes, j'espère bien. Mais l'Esprit, là il s'agit du Saint-Esprit, dit expressement que dans les derniers jours, et nous y sommes déjà, quelques-uns abandonneront la foi, je prie que ce ne soit pas ton partage, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Ça veut dire que tout ce qu'on entendra dire dans la maison de Dieu n'est pas forcément de Dieu. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté,
pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, exerce-toi à la piété, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez, ce texte est assez explicite. Dans ce texte, la Bible nous parle d'exercice. Mais avant, il est important que nous revenions sur le principe de la rédemption. Nous avons dit ici, lors de l'enseignement passé, que Jésus était 100% homme, 100% Dieu, et en mourant sur la croix, il a racheté les trois dimensions de l'être humain, la dimension de l'esprit, il a racheté, la dimension de l'âme a été rachetée, et la dimension corporelle aussi a été rachetée. Donc, quand vous voyez ce que Jésus a fait à la croix, et que vous avez la révélation par le Saint-Esprit, alors la rédemption devient quelque chose d'avantage, vraiment de glorieux, parce qu'il a racheté notre esprit, notre âme et notre corps. Cependant, voyez-vous, nous parlons aujourd'hui de bâtir un esprit excellent. Bâtir un esprit excellent. Contrairement à ce que beaucoup de croyants pensent, ce n'est pas parce que ton esprit est régénéré, c'est-à-dire recréé par Dieu, que tu n'as rien à faire au niveau de ton esprit. Non. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, entier avec S, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, voyez-vous, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons une responsabilité au niveau des trois dimensions de notre être. Une responsabilité au niveau de notre esprit, une responsabilité au niveau de notre âme, notre intellect, une responsabilité au niveau de notre corps. Alors, revenons dans 1 Timothée 4, verset 7 à 8, la version parole vivante. Mais ferme ton esprit au mythe impie et sans valeur, et ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la votre religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Donc on parle là d'exercice. Exerce-toi à être spirituellement en forme. Exerce-toi. Entraîne ton esprit pour qu'il soit spirituellement en forme. Bâtis-le pour qu'il reste en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Donc l'attachement à Dieu n'est pas quelque chose d'accidentel, mais quelque chose qu'on bâtit, voyez-vous, s'attacher à Dieu. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Voyez-vous, c'est très important. Et amener une conduite qui corresponde à ta foi. Combien de personnes mènent une vie qui est parfaitement opposée à leur foi? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entraînés dans l'esprit. Tant que vous n'êtes pas entraîné, vous n'avez pas bâti votre esprit, vous ne pouvez pas vivre le type de vie que Dieu vous réserve. Vous allez comprendre pourquoi. D'où ces termes, exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. C'est un exercice. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Entraîne-toi à vivre par la foi. Voyez-vous, si vous prenez la Bible, dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Eh bien, écoutez-moi bien. Le sport est utile, mais à peu de choses. Donc, Dieu lui-même dit que prendre soin de ton corps, c'est utile. Mais à peu de choses.
Pourquoi? Parce que en prenant soin de ton corps, cela n'était utile que sur la terre. Combien de temps passons-nous dans les salons de coiffure à investir pour notre apparence physique? Combien de temps d'argent investissons-nous pour notre corps? À bien manger, à avoir de mets succulents, succulents sur notre table. On investit pour le corps. Ça, c'est le corps. Et la Bible dit l'exercice corporel est utile à peu. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas fort. Mais ce n'est pas vrai. Si vous vous entraînez, vous pouvez amener votre corps à être parfaitement résistant. Dieu m'a dit 3 fois faire le sport. Les premières semaines au sport, c'était tellement harassant. Un petit poids de 5 kilos soulevé, mes muscles me faisaient mal. Et j'avais l'impression que je n'allais jamais y arriver. Je me rappelle, j'avais un proche de gym qui n'était pas très grand de taille, mais il était totalement musclé et tout ça. Et je lui ai demandé, est-ce qu'un jour je peux avoir un corps dessiné comme le tien? Il m'a regardé et j'ai su qu'il était en train de parler par la foi. Il m'a dit, dans tous les cas, si tu persévères, ça va arriver un jour. Et donc, je le regardais tout admiratif, le corps était bien dessiné. Mais en travaillant régulièrement, j'ai été surpris quelques années plus tard de voir que le corps aussi a été dessiné. Et que même les plaquettes de chocolat ont commencé à sortir. Mais c'était le travail. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'était le travail. Cependant, c'est corporel. C'est corporel. Mais c'est fort pénible. Pénible dans le corps. Cependant, c'est corporel. Mais maintenant, voyez-vous, nous sommes ici, nous n'avons peut-être pas le même niveau intellectuel ou alors les mêmes aptitudes intellectuelles. Pas parce que tu n'es pas intelligent, non, mais c'est parce que beaucoup d'entre vous n'avez pas exercé votre intelligence. La preuve, 7 fois 7 font combien? 49, très bien. 7 fois 7 fois 10 font combien? 490. 7 fois 7 fois 10 soit 10 font combien? 4900, 7 fois 10, soit 10, soit 10, divisé par 5, font combien? Ça fait 4900 divisé par 2, ça fait combien? C'est ça le calcul rapide. Mais comme vous n'avez pas exercé votre intelligence à calculer rapidement, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Vous n'avez pas eu de technique à exercer votre intelligence au calcul rapide. Vous prenez donc maintenant la calculatrice, tac, 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 vous avez la réponse. Mais en ayant la réponse, vous avez une réponse électronique et non une réponse intellectuelle. L'électronique vous a aidé à trouver la réponse et non votre intellect. Et sans vous rendre compte, vous affaiblissez votre intellect à cause des raccourcis électroniques. Et c'est pourquoi les gens sont étonnés qu'à un certain moment, vous avez des gens, vous avez même des gens, ils ont le doctorat, vous demandez comment ils ont fait pour avoir le doctorat. L'intelligence n'est pas développée. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas pris le temps de s'exercer spirituellement. Je vais plus loin. Si vous êtes spirituellement à l'aide, mais vous n'êtes pas mentalement préparé, il est possible que vous ayez les vérités spirituelles, mais vous ne pouvez pas les articuler humainement. L'articulation humaine va dépendre de ton aptitude intellectuelle à formuler les vérités spirituelles. C'est pourquoi le Saint-Esprit a un problème avec Pierre. Pierre n'était pas intellectuellement puissant. Donc Dieu s'est dit, si on laisse Pierre, on n'aura pas des épîtres. Il faut qu'on aille chercher Paul. Parce que Paul était intellectuel, alors que Pierre était spirituel. Alors Dieu a recruté un intello qui doit changer en spirituel. À partir de ce moment, quand il reçoit les révélations, il peut les écrire facilement parce que son intellect peut bien formuler ce qu'il entend comme bribes de voix dans l'esprit. D'accord? Et ça c'est important. C'est très important. Voyez-vous, c'est très très important. Et c'est beau, hein? Quand vous êtes équilibré au niveau de l'intellect et de l'esprit, c'est magnifique. C'est fantastique. C'est doux, parce que c'est ça justement la beauté même de Dieu. Cependant, nous parlons là de bâtir notre esprit. Vous êtes allé à l'école. Je ne sais pas combien d'heures vous avez fait à l'école. Vous avez déjà de la CIL jusqu'au CEP, c'est des heures et des heures. Après, vous avez jusqu'au bac. D'autres sont allés, ils ont eu la licence. Après la licence, ils ont un doctorat. Après, l'agrégation. C'est des heures et des heures. Mais tout ça, c'est un travail purement intellectuel. Maintenant, vous êtes né de nouveau, votre esprit revient à la vie. Il y a une autre dimension qui doit être prise en charge. Celle-là, c'est la dimension de l'esprit. Elle est plus importante que les deux.
Parce que la Bible dit l'exercice de la piété, c'est-à-dire entraîner son esprit, le bâtir, c'est utile pour les promesses présentes et celles qui sont à venir. Parce que le diplôme ne t'amène pas au ciel. Non. On a vu des diplômés et des agrégés pédophiles. On a vu des agrégés homo. On a vu des agrégés voleurs, bandits. On a vu des agrégés prostituées. Ça veut dire que l'intellect a ses limites. Et que si vous construisez votre vie simplement sur l'intellectuel, vous êtes passé à côté. Il faut aller à la dimension spirituelle. D'où la beauté de la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. De quelle réconciliation s'agit-il? De ton esprit avec Dieu. Dis, je suis né de nouveau. Dis-le encore, je suis né de nouveau. Maintenant, si c'est vrai que tu es né de nouveau, tu dois donc comprendre qu'il est impérieux, urgent pour toi de bâtir ton esprit. Mais comment donc? Comment je peux faire pour bâtir mon esprit? Oui, je fais du sport. Oui, j'entraîne mon intelligence. Mais comment faire pour bâtir mon esprit? Ouais, un croyant qui veut atteindre la dimension spirituelle doit prendre conscience de l'existence de son esprit. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment important. La différence entre un chrétien charnel, parce qu'il y a deux types de chrétiens, et un chrétien spirituel, c'est que le chrétien spirituel a entraîné son esprit et a redonné la prééminence à son esprit. Alors que le chrétien charnel, il ne vit que sous l'influence de ce qu'il voit ou de ses sens. Mais il ne dépend pas de l'esprit. Je ne sais pas, vous comprenez la différence. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, suivez-moi bien, parce que ça, c'est très profond. Je peux être né de nouveau, mais je suis charnel. Ça ne veut pas dire que je suis un faux frère. Je ne suis pas un faux frère. Je suis un frère bébé. Je suis un frère. Je suis frère. Je suis déjà frère. Mais j'ai un problème avec ma marche. Parce que je suis resté charnel. Je n'ai pas grandi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je n'ai pas grandi. Je suis charnel. Donc, charnel, tout ce qui est de la chair me secoue. Je suis faible au niveau de la chair. La chair, c'est l'ancienne nature. La chair, c'est l'ancienne manière de voir. La chair, c'est donner au vieil homme de reconnaître une résurrection de la mort qu'il a connue dans la croix. C'est ça, je suis dans la chair. Voyez-vous? Donc, ce que je vois, ce que j'entends, je suis dans la chair. Mais comment donc je fais pour quitter la chair de la chair, pour redevenir spirituel? Jésus a donné la réponse, Matthieu 4, verset 4. Voyez, je vais vous donner 5 points qui vous permettent de bâtir votre esprit. Premier point, honorer la parole. Premier point, honorer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être spirituel sans honorer la parole. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de croyants qui n'aiment pas la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, une vraie personne spirituelle ne mange pas physiquement sans s'être nourrie spirituellement. Je suis avec certains d'entre vous souvent. Petit déjeuner chargé, midi c'est fort. Le soir, c'est costaud le plat. Et quand j'observe votre vie personnelle, je me demande, mais quand est-ce qu'ils ont le temps de charger spirituellement? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a de la vie dans la parole. Oh, c'est dit, Seigneur, nourris-moi de ta parole. Si tu le veux, dis encore, Seigneur, nourris-moi de ta parole. Mais l'homme en question dont il s'agit ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'agit là de toute nouvelle création. C'est le type de vie que Dieu attend de toi, afin que tu ne sois pas charnel.
Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On verra comment ça se passe. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, Dieu veut que la parole de Dieu, sa parole, puisse amener une parfaite division entre ton âme et ton esprit. Maintenant, regardons 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Comment Adam était? Oh, s'il vous plaît, répétez, c'est écrit. Il devient une âme. Et le dernier Adam est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Qui est le dernier Adam? C'est qui le dernier Adam? C'est qui? Jésus. Il est devenu un esprit vivifiant. Et Adam était quoi? Une âme vivante. Mais maintenant, pourquoi Adam était une âme vivante? Parce que le premier homme, vous devez comprendre que dans la rédemption, l'ordre de fonctionnement a totalement changé. Le premier homme était justement conduit par son âme. Et c'est pourquoi on a dit de lui, il était une âme vivante. Il avait toujours l'esprit, il avait toujours le corps, mais l'âme était lui qui avait la prééminence. Il était, l'homme est devenu une âme. Donc l'âme était, puisque l'âme n'était pas imparfaite, l'âme n'avait pas connu le péché, il n'y avait pas d'ancienne nature, il n'y avait pas, non, l'âme ne connaissait pas le mal. Donc l'âme fonctionnait et conduisait l'homme dans les voies de Dieu. Cependant, quand il y a eu le péché au niveau de l'âme et que la rédemption a eu lieu, l'âme n'étant pas régénérée, le leadership ne peut pas être donné à l'âme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le dernier homme devenant un esprit vivifiant, et que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Si Jésus est la tête et que nous sommes le corps, la tête ne peut pas être esprit et le corps est âme. Je veux bien que vous le compreniez. Quand on parle d'esprit vivifiant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus l'âme, il y a l'âme. Mais le leadership a changé. La nouvelle création doit se laisser conduire par son esprit. Alors que l'homme créé au départ se conduisait par son âme. Maintenant, Dieu dit, il faut que l'âme cède la première place à l'esprit. Et que l'esprit puisse gouverner l'âme et le corps. Ça, c'est un exercice. Redevenir spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, il est devenu un esprit vivifiant. Donc l'esprit doit prendre la prééminence. L'esprit doit être celui qui dicte à l'âme et au corps ce qui se passe. Par exemple, vous êtes né de nouveau il y a peut-être 2 mois. Et le samedi soir, tous vos copains viennent vous chercher. On va aller en boîte. C'était l'habitude d'antan. Et ton âme, quand elle sentait l'odeur de la boîte, elle frémissait de bonheur. Et on vient te chercher. Et on dit, oh, comment tu vas, Xavier? Comment tu vas, Marc? Oh, Jocelyne, on arrive te chercher. Il y a la bringue, il y a un mouvement, il y a une sortie, il y a ceci. Et donc, tu reçois l'information au niveau de tes oreilles. Ton âme, ouais, maintenant, se dit, ok, on a donné une information. Peut-être qu'on doit aller en boîte de nuit. Mais l'esprit, maintenant, qui va donner une information nouvelle à l'âme que l'âme n'avait pas? Tout est permis, mais tout n'était pas utile. Tu vas en boîte de nuit, ça va t'apporter quoi? Maintenant, l'âme s'arrête. C'est là où la parole est puissante et pénétrante. Elle va maintenant juger les sentiments du cœur. Elle va juger la décision que l'âme va prendre. Elle va amener, par la fonction de la conscience qui est en elle, l'âme à s'éveiller en disant, on ne peut plus. Tu vas aller claquer 100 000 francs en boîte, 200 000 francs en boîte. Tes enfants n'ont pas de quoi manger. Ta femme a une chaussure percée. Quel homme tu es? Et puis là, tu commences à trembler seul. Tu commences à trembler seul parce qu'il y a une autre voix qui te communique ce que tu n'avais pas comme sagesse. Ça, c'est la voix de l'esprit. L'esprit va maintenant s'agripper et donc elle va pénétrer au niveau de l'âme. Et l'âme aussi va attraper le corps. Et il y a une bataille. Le corps dit, on va y aller, on va y aller. L'âme dit non, cette fois-ci non, je ne peux plus, c'est terminé. Tu n'as pas entendu ce que papa ou Afo a dit à l'église là? Tout ce qu'on dit là, ça ne te dit rien. Maintenant le corps commence à faire pop, 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 pop. Tu t'habilles même, tu descends, tu veux dégager la voiture. Il y a quelque chose qui fait le ning ning du cœur là, c'est la conscience.
Parce que la conscience est là. C'est la voix de Dieu dans ton esprit. Elle te parle. Elle te ramène au droit chemin. Ton cœur bat. Il fait froid, mais tu transpires seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est la conscience. Elle est là pour t'amener à demeurer dans la lumière. Après, tu dis non, 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 on n'ira pas. Alors l'esprit dit, allons-y dans l'adoration. Et l'esprit va entraîner tout le reste dans l'adoration. Maintenant, le gars qui s'enjaillait avec, c'est là, vous voyez, un vieux père de 65 ans en boîte, en train de danser avec une petite fille de 15 ans, il pense que la vie a trop réussi. Maintenant, vous le voyez dans l'adoration, il lève les mains. Tu dis, mais, Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Il est à genoux comme ça, il pleure comme un bébé. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'esprit l'a amené dans un autre mouvement, dans une autre dimension, dans une autre vie, dans un autre niveau. Tu vois, il est là, à l'église, il est comme un bébé. Tu as l'impression, c'est pas le gars. Non, quelque chose s'est passé. Il a découvert quelque chose d'autre. Et le pasteur parle, il pleure. On dit, Joe, tu connaissais pas le gars? Il est en dangereux. Mais il pleure parce qu'il est fragilisé de l'intérieur. L'esprit a bombardé l'âme et a jugé ses sentiments. Maintenant, il se tourne en arrière. Il dit, que de temps perdu. Il commence à compter les champagnes, les chivasses, les ceci, dépenser en boîte, sans compter l'argent donné à toutes les maîtresses. Il pleure. Souvent, c'est pas que Dieu est bon, mais il pleure. Il a trop perdu. On l'a trop volé. Il pleure. On l'a trop volé son blé dans le passé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que quand les gens pleurent dans la présence de Dieu, vous ne savez pas trop pourquoi ils pleurent. Mais ils pleurent quand même. Parce que la parole a pénétré dans l'âme et a commencé à juger. Mais heureux es-tu si tu es jugé toi-même et tu pleures toi-même sur tes péchés. Tu es un homme sage. Mais il y a des professionnels qui sont des professionnels chrétiens. Ils crient, ils chantent, ils dansent, mais ils ont totalement tué la conscience. La compagnie, tais-toi. Tuer la conscience. Quand tu viens à l'église, ils sont professionnels. Et souvent vous les voyez, c'est eux qui dansent, ils sautent. Pas de conscience. Cela sont dangereux. Il n'y a pas de conscience. Quand vous entendez de quoi ils sont capables, vous dites, waouh, comment c'est possible? Pas de conscience. C'est devenu des chrétiens professionnels. Ils sont réguliers au culte, hein? Mais professionnels. Il n'y a plus de conscience. Il n'y a pas de vie de Dieu. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes n'ont pas appris à donner à la parole de Dieu la première place. Si vous déshonorez la parole, Dieu va vous déshonorer. Au commencement, Jean 1, verset 1, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Regardez bien, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Stop. Alors quand vous commencez à donner à la parole de Dieu la prééminence, quand vous commencez à examiner votre marche à la lumière de la parole de Dieu, vous redevenez une personne spirituelle. Donc la personne spirituelle, non, spirituelle, c'est marcher par l'esprit. Voyez-vous, c'est cette dimension à laquelle Dieu attend chacun d'entre nous. Et ce sont les personnes spirituelles qui atteignent la dimension de l'héritage. En Christ. Parce qu'elles ont une certaine maturité. Sinon le reste c'est des bébés. Honore la parole de Dieu. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. D'accord, ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quels sont ceux parmi vous qui veulent réussir? Levez la main. Je vous confie le secret en or. La parole de Dieu. Alléluia, dis amen. Oh, dis encore amen. Vous savez, il m'arrive de prendre la parole de Dieu et de
moi de faire des bijoux sur la Bible. Elle a changé ma vie. Elle a bonifié mon existence. Elle a restauré mon intelligence. Elle m'a communiqué la sagesse. Elle m'a donné la paix. Elle m'a éclairé. Elle est ma conseillère. Elle me nourrit. La parole, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans aimer la parole de Dieu. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de croyants qui ne lisent plus la Bible. Ils sont sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Ils écoutent les découpes de messages, mais pas la parole. Quelles que soient les découpes de messages que vous écoutez par jour, ça ne remplace pas votre communion avec les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais aller plus loin. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez la parole qui est sortie de la bouche de votre pasteur, mais pas de la bouche de Dieu. Parce que ton pasteur peut être la bouche de Dieu, mais quand il te parle, ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que ton esprit n'est pas ouvert à écouter Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez dans nos églises aujourd'hui. Oh, hey, c'est la fin des temps. Oh, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ici. Oh, prophète, prophétise. Oh, regardez vous-même comment est-ce que Dieu est puissant. Regardez le bras de la femme. Bientôt ça va s'étendre. Prophète. Alléluia. Acclamez le miracle de Dieu. Et puis les gens sont contents. Voyez-vous? Et ils dansent. Alléluia. Eh bien oui, les gens sont contents. Et les gens viennent au culte à 8h, ils partent à 18h, ils n'ont rien retenu. Quand ils sortent, Joe, le pasteur, il est puissant. Ça t'amène où? Qu'est-ce que tu as retenu du culte? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? C'était fort. Joe, t'as vu la femme, elle est tombée. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui regardent les films nigériens de 8h à 20h. Ce n'est pas parce qu'ils sont captivés qu'ils sont bénis par le monde. Ton âme peut aimer le spectacle sans aimer la présence. Oh, pasteur, impose-moi les mains. Je reçois. Tu vois, elle-même, elle tombe. Tu sais très bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Elle tombe elle-même là, tu vois, boum, boum, boum. Tu regardes là, tu sais que ça, c'est la chair. Mais tu vois, elle est tombée. Et seulement pour les besoins de Facebook et de publication, il faut qu'on la filme tomber parce qu'il faut alimenter la page. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce que ta vie devient? On n'a plus de personnes qui réussissent justement à voir leur vie sous les normes de la parole de Dieu. Quand on dit oui, huile d'onction, sel d'onction, eau d'onction, tout dans les gens courent. Mais frères et sœurs, le raccourci, le chemin le plus sûr pour accéder à la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre, quand Jésus a dit, vous voulez aussi partir? Qu'est-ce que Pierre a dit? À qui d'autre irons-nous? Car tu as les paroles de... Il n'a pas dit, tu as le blé de la vie. Il n'a pas dit, tu as les voitures de la vie. Il a dit, tu as les paroles de la vie. L'un des signes de la véritable nouvelle naissance, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Aimez les Écritures. Aimez la parole. Frères et sœurs, aimez la parole. Je vois des personnes me disent, Dieu m'a appelé. J'ai dit, peut-être même pas été bipé. Parce que quand je vois la réaction de la personne, je me dis, c'est dangereux. Comment Dieu t'a appelé? Comment tu es enfant de Dieu? Tu ne lis jamais la Bible. Certains d'entre vous, vos Bibles sont remplies de poussière dans un coin du mur, posées au chevet de votre lit. Et elle est grosse et belle, en or. Posée au chevet du lit. Et vous la regardez, la Bible est là. Ce n'est pas la Bible sur le chevet de ton lit qui fait la différence. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Tant qu'elle n'est pas dans ton cœur, ce n'est que de la décoration. Et donc on est là, on s'est séduit nous-mêmes. Non, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il dit quoi? Médite le jour et nuit, ô mon Père. Médite. Qu'est-ce que c'est méditer? Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est pas lire. Certains d'entre vous sont devenus professionnels de mémorisation des versets. C'est pas mauvais, hein? Moi, je cite, je peux te prendre Jean 1 de 1 jusqu'à... Il y a des livres de la Bible, je récite. C'est pas mauvais. Mais, il faut faire attention. Il faut méditer. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est penser. Méditer, c'est essayer de comprendre pourquoi Dieu dit ce qu'il dit.
Méditer, c'est entrer dans l'intelligence de Dieu. Méditer, c'est coopérer avec la sagesse élevée. Méditer, c'est transférer la sagesse de Dieu dans la sienne. Chaque fois, écoutez-moi bien et regardez ici, que je prends, écoutez-moi bien, écoutez, quand je prends la parole de Dieu et que je la médite, je frotte l'intelligence humaine avec celle qui est divine. Donc j'enrobe mon intelligence de la sagesse de Dieu. Donc c'est un temps extraordinaire où la parole me transfère la sagesse élevée. Là-dedans. Non seulement la sagesse, mais regardez le verset 9. Il dit, Josué 1:9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi. Comment est-ce que tu deviens fort? Tu es fort parce que tu as mangé la parole. Amen. Un jour, je suis arrivé au sport en jeune et mon prof de gym qui est très fort, on a travaillé. Et puis après, je lui ai dit, écoute, ralentis un tout petit peu, je suis en jeûne. Il a crié, il dit, comment tu travailles n'ayant pas mangé? Parce que dans les règles, tu ne peux pas mettre la pression sur le corps si tu ne l'as pas nourri. De la même manière, ton esprit ne peut pas être fort s'il n'a pas été entretenu. Mais comment est-ce que ton esprit est nourri? Par la parole. Par la parole. Dans l'homme en question, c'est l'homme intérieur, ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole. Ton homme doit être nourri de la parole. Il faut t'abreuver de la parole. Il faut manger la parole. Ça veut dire, vous voyez, certaines personnes m'appellent, oh mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de préparer. Et ils pensent que je blague. Est un bon cuisinier. Je dis, waouh, tu n'as pas encore mangé mes repas? Je prépare. Mais quand je prépare, j'ai des bibles en face de moi. Je suis face au fourneau. Je récupère ici l'oignon. Je récupère ici. Je suis en train de concocter un repas, mais de la parole de Dieu. Ce que vous mangez ce matin, c'est fourni par la carte du chef du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? La nourriture de Dieu, tellement le meilleur des amen. Dis encore amen. Heureusement, c'est gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuitement que tu reçois que tu ne vas pas prendre ça au sérieux. C'est ton meilleur repas. Il va équilibrer ton être. Il va te rendre sage. Il va te communiquer la lumière. Il va te donner la force. Il va te donner pas trembler. Il va même aller jusqu'à impacter ton corps. Parce que quand tu médites, la puissance de la vie descend dans les jointures mortelles. La santé devient ta portion. Je te montrerai ça le message prochain. Comment est-ce que ça arrive? C'est ça le vrai problème. Tu es là, tu changes d'huile en huile, huile en huile. Ton visage ne brille pas. Arrête l'huile. Essaye la parole de Dieu. On a trouvé des formes, vous êtes devenus tellement charnels. Quand ça devient encore plus compliqué, quand ce sont les hommes qui sont en train de défigurer leur visage avec les huiles. Tu es un homme, tu produis ton visage. Tu es malheureux, toi. Il faut changer. Il faut donner le temps à la parole de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pas possible quand même. Soyez un peu sérieux. Quel complexe tu as? Tu es un homme. Le premier homme a été tiré de la poussière. On peut encore comprendre que la corde soit en train d'essayer de retrouver la blancheur. Mais tu as tiré la poussière. Tu as dit quoi? Voyez-vous? Et donc on a des gens remplis de chair, tellement de chair. L'église est devenue tellement charnelle parce qu'on ne donne pas de place à la vie spirituelle. La parole de Dieu. Passez le temps dans les écritures. Il faut. Vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez aimer Dieu et ne pas aimer sa parole? Et le drame, c'est qu'il y a des gens qui lisent la Bible que quand ils vont prêcher, ils lisent rapidement pour trouver un verset. Quand vous le faites, on le sait. Vous pouvez citer la Bible sans la vie de la parole. La méditation, c'est incroyable. Il faut apprendre à méditer. Et vous savez, je médite aujourd'hui même sans les écritures. C'est-à-dire, je peux m'asseoir et commencer à méditer. Parce que j'ai coupé la Bible hier et je l'ai ramenée dans ma pensée. Je l'ai fait ressortir maintenant. Et je commence à mâcher. À des moments calmes, je commence à penser. Méditer, c'est mais pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on apporte 10% à l'église? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner ça aux prisonniers et puis ne pas apporter à l'église? Vous commencez à poser des questions intelligentes. Vous demandez à Dieu, posez des questions sur sa parole. Et il vous répond dans sa parole. Et c'est là, justement, quand vous recevez la réponse de Dieu, que vous devenez instruit. Donc ce que je vous donne en général comme message, c'est la résultante de mes méditations. Alors celui qui ne médite pas, il écoute le même message et il reproduit. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prêcher maintenant sur l'esprit à me comme. Ils n'ont rien compris. Hein? Parce que moi, c'est par révélation et non par copiation. Donc quelqu'un est important de...
comprendre. Amen. Donc, juste pour créer la rime, certaines personnes ont bien compris ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est important que quelqu'un dise spirituel. Quelqu'un dise encore spirituel. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège de la fin des temps. On a beaucoup de gens dans les églises, mais on a peu de personnes productives en société. Pourquoi? Parce qu'on a transformé l'église en un lieu de spectacle, où on s'attache à des esprits séducteurs. Là, l'église, c'est un endroit où la parole de Dieu doit être enseignée. D'accord? Et maintenant, il y a des gens qui nous font croire que oui, l'église, c'est un endroit où on vient seulement pour la morale. C'est un endroit. Non. Jésus a passé son temps à instruire les gens dans leur vie. Et il a laissé les affaires des politiciens aux politiciens. Il a bâti les cœurs. Il a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'il a mené le cœur des gens à Dieu. Quand les gens sont touchés, ils deviennent sérieux. La politique ne peut changer que le mental, mais jamais l'homme intérieur. Vous ne pouvez pas transformer un homme par la politique. Vous transformez un homme avec la puissance de Dieu, dans son esprit. Et c'est pourquoi il faut apprendre à rester auprès du Seigneur. Il faut choisir la bonne part. Dis, je dois choisir la bonne part. Encore. Imaginez Marthe et Marie. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si beaucoup d'entre vous avez lu, vous n'avez pas vu, je vais vous le montrer. Regardez Luc 8, Luc 10, verset 38. Regardez, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans son village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il était dans la maison de qui? Beaucoup d'entre vous ne savez pas qu'il était chez Marthe. Il n'était pas chez Marie, il était chez Marthe. Il était dans la maison de Marthe. Regardez la suite de l'histoire. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Voyez-vous? Dis-lui donc de m'aider. Regardez Jésus, sa réponse. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Il lui a dit quoi? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Revenez dans Josué 1, verset 9. Revenez dans Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas. Voyez que les gens qui ne restent pas au pied du Seigneur s'effraient beaucoup. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est ce qui donnera de l'équilibre à ton âme. La stabilité dans la tourmente, la paix dans les épreuves, l'assurance dans l'adversité, c'est la parole de Dieu. Quand tu ne l'as pas, tu paniques. Tu commences à réfléchir mentalement. Vous voyez déjà à l'église, ils ne cherchent pour amis que les gens qui ont un peu de blé. Ils sont en train de démontrer qu'ils sont pauvres et qu'ils sont des chrétiens psychiques. Ils réfléchissent par l'intelligence. Il faut que je devienne ami à Hervé. Qu'avec sa grosse voiture, il va m'aider un peu. C'est limité. Ils ne sont pas préoccupés des amitiés nées de l'esprit. Parce que Dieu peut te donner pour ami quelqu'un qui n'est rien, mais qui est quelque chose. C'est-à-dire, il devient ton meilleur ami quand il est encore sous la loi du camouflage. C'est le président de la République, mais c'est encore un simple membre de l'église qui n'a même pas encore de transport. Mais demain, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Et Dieu veut que tu aies pour ami un président, et toi, tu le cherches ailleurs, alors qu'il est à côté de toi. Tu n'es pas spirituel. La Bible dit donc, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire que si vous regardez avec les yeux, vous allez beaucoup vous tromper. Beaucoup vous tromper. Beaucoup vous tromper. Frère, il ne faut pas chercher une femme en regardant avec les yeux. Tu peux commettre des erreurs terribles. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On ne connaît personne selon la chair. Il faut toujours interroger pour comprendre au niveau de ton esprit qui est la personne. L'esprit a la capacité, parce que étant en communion, d'avoir la fonction de l'intuition activée. L'intuition te donne de connaître au-delà de ce qui est connaissable par un humain. L'intuition t'introduit dans le savoir de Dieu. L'intuition te donne accès à la sagesse élevée. L'instruction te donne la réponse à la situation résolue par Dieu lui seul. C'est ça l'intuition. Quand l'intuition est activée, ta divinité commence à flamber.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça la fonction intuitive. J'ai dit à ma femme, attention à ce jeune homme, attention à telle personne. Elle me dit, mais chérie, pourquoi est-ce que... J'ai dit, je t'ai dit attention. Ok, ok, ok. Une fois, deux fois, trois fois. Vous savez, quand je vois les gens, je peux savoir. S'il y a quelque chose à moi qui était tellement activé, c'est la fonction de l'intuition. Tellement. Je peux te prévoir la déloyauté de quelqu'un 5 ans plus tard. Tu me demandes comment je dis, j'ai déjà vu. Quelqu'un périt avec... Je sais qui cet homme. Cet homme, un grand comédien. Je sais. Mais on me demande, mais pasteur, mais tu savais, mais pourquoi? Non, Jésus savait que Judas volait. C'est pas parce qu'on te laisse à côté qu'on sait pas ce que tu fais. On sait, mais on te laisse dans l'espoir que tu changeras. Dans l'espoir que tu vas changer. Ou dans l'espoir, justement, qu'au travers de ta vie, la parole de Dieu va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu s'accomplit aussi quand quelqu'un tombe sous le jugement de Dieu. Et ça, c'est un exemple pour les autres. Les gens, ils pensent qu'ils sont intelligents. Un homme spirituel, attention, il connaît trop de choses. Vous voyez? Donc, il y a la dimension de l'esprit. Mais ensuite, écoutez-moi bien, vous devez aussi, écoutez-moi très attentivement, demander à votre âme de prier pour votre esprit. Votre âme doit prier. Vous savez, arrêtez d'intercéder pour tous les voisins du quartier alors que vous êtes en train vous-même de vous perdre. Priez et secours, venez au secours de votre esprit. C'est-à-dire, il y a une prière que tu dois apprendre à faire pour toi-même. Cette prière-là, quand tu la fais, genou par terre, tête contre le sol, tu implores la grâce de Dieu, ta vie va commencer à monter. Éphésiens 1, verset 16. Je vais montrer le secret. Éphésiens 1, verset 16. Il faut intercéder pour ton esprit. Je le sais de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. En demandant quoi? Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Regardez, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est ton esprit qui est un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Je vous pose une question, répondez si vous avez constaté. Qui de vous a déjà vu, c'est que je suis un homme très sage. Lève la main. Si toi tu n'as pas encore vu, c'est que tu es aveugle. Donc, dans tous les cas, je suis sage. D'accord? Donc, je suis un homme très sage. Mais vous savez pourquoi je suis sage? Accorde cette prière. Ô Père, accorde à mon esprit un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et illumine les yeux de mon homme intérieur. Pour que je sache quelle espérance se rattache à mon appel. Qu'elle envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance. Que je sache, voyez-vous, allez au verset 19. L'infini grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Verset 20, il a déployé en Christ en réussissant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On peut s'arrêter là. Voyez-vous? Donc, vous voyez, c'est très important. Très important. Donc, tu dois prier pour ton esprit. Quand tu pries pour ton esprit, qu'est-ce que tu demandes pour ton esprit? Hein? Que Dieu accorde à ton esprit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends la Bible et que tu la lis, ce n'est plus jamais un livre d'histoire. Ça devient un livre de vie. La parole, quand tu l'ouvres et que tu commences à la lire, Dieu te révèle. Et il y a des moments, j'ai prêché des messages, vous avez l'impression que j'avais vu le film. Bon oui, il y a des moments où la révélation est tellement profonde que je la vois comme un film. Dieu m'illumine. Elle dit, je vois les yeux fermés, Dieu me montre la scène de comment est-ce que Jésus était dans les séjours des morts, comment la gloire de Dieu est descendue, comment il est remonté. Je le vois dans mon esprit, parce que mon esprit a accès à la vérité. Mais quand vous faites cette prière, vous avez ce genre de révélation. Ce n'est plus une connaissance religieuse, non, c'est la vie de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui vous prêchent l'évangile, mais c'est l'évangile théologique. Mais ce n'est pas l'évangile de vie. Moi, je t'apporte la parole qui te permet de devenir meilleur dans la vie. Voyez-vous, c'est très important. Changer radicalement de cœur. À l'intérieur. Un esprit de sagesse et de relation dans sa connaissance. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que ton cœur soit illuminé. Qu'il soit illuminé. Qu'il y ait la lumière dans le cœur. Quand la lumière est dans le cœur, même quand il n'y a pas d'argent dans le compte bancaire, tu ne paniques pas parce que tu sais que Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Ta vie n'est pas ébranlée par les circonstances de la vie, mais tu as la lumière de Dieu à l'intérieur. Amen. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Et c'est ça justement. C'est ça justement. Vous savez, c'est ce qui a conduit ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne panique pas. J'ai désarmé le mot de panique. Je ne panique pas devant les circonstances. Pourquoi? Parce que il y a une chose que je sais. L'illumination. Je vois la fin des choses avant qu'elle arrive. Je ne panique pas. La Bible dit, ne te frappe pas, ne t'épouvante pas. Je n'ai pas peur, je ne m'épouvante pas. Car je sais que Dieu me délivrera. C'est ma confession. Vous n'allez pas me voir, oh vraiment, c'est vraiment, on est déjà à juge du monde, il n'y a pas d'argent. Oh frère, s'il vous plaît, si vous ne donnez pas, oh, le programme ne va pas réussir. J'ai dit, frère, gardez. Si vous ne donnez pas, Dieu enverra son ange. Dieu pourvoira à tout, mais selon ça, donc ce n'est pas selon ta richesse. Parce que si c'était selon ta richesse, c'est que je roule en vélo. Ton amen m'embête. Ça te concerne toi-même. J'ai dit selon ta et la richesse de Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles veulent devenir des femmes extraordinaires dans la vie à partir de la richesse de leur mari. C'est ton choix. Le jour où tu perds le travail, tu veux changer de mari. Parce que tu n'as pas appris à dépendre de la richesse de Dieu. Oh, mais Ève nous a causé trop de problèmes. Ève nous a causé trop de problèmes. On dit, le désir de la femme se portera vers son mari. C'est à cause de ça que les femmes sont toujours en train de vouloir que ce soit l'homme qui donne. Mais ça, c'était sous la loi. Dès qu'elle veut un sac, mari, elle veut chaussures, mari, elle veut coiffure, mari, coup de poing, mari, ta, mari, elle a son salaire, mari, tout ce que mari, donc, à cause de ça. C'est à cause de ça. Mais on n'est plus dans la loi maintenant. L'éternel pouvoir, nos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amen. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Vous savez que vous pouvez dire à votre mari, mais ce mon mari pas jusque-là. Arrête-toi. Arrête-toi, mon frère. Non. Ne me parle pas comme ça, s'il te plaît, chérie. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Non. N'ose pas. Je suis la fille d'Abraham. Non. Oh, mais oui, mais c'est moi qui. Hé, monsieur, attention. Ces choses-là arrivent peut-être parce que je suis ici à tes côtés. Faut pas mousser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des femmes, tu les épouses, tu termines comme Adam. Il y a des femmes, tu les épouses, tu termines comme Christ. C'est à toi de choisir. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que ta vie soit comblée par la puissance d'un haut, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, n'ayez jamais d'affection pour une femme qui est belle sans être belle. La beauté d'une femme commence par son affection pour les saintes écritures. Une femme qui n'aime pas la Bible est un danger terrible. Une femme qui n'aime pas la Bible est une piste d'atterrissage des obus de Satan dans ta propre maison. Il faut faire attention. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est une piste d'atterrissage. Il faut aimer la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est très important dans vos cœurs. Saturer la parole de Dieu. C'est important. C'est très important. C'est très la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas toi qui es là dans ta maison. C'est toi qui es en train d'aimer les marimas, les ceci, les brésiliens. Les... Il faut aimer la parole de Dieu. Tu dois réguler la température de ta maison par les Écritures. De façon que même quand on mange à table, au lieu de faire des décorations totalement charnelles, de temps en temps, mettre des versets bibliques comme décoration sur la table. De façon que quand les enfants lisent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut avoir des décorations bibliques. Décorez votre maison par la Bible. Et de l'ingéniosité d'en haut. Ne laissez pas le monde vous polluer. Nous sommes la lumière du monde. La parole de Dieu n'est pas démodée. Et nous devons restaurer la parole de Dieu dans nos vies et dans nos maisons. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut prier pour ton esprit. Prie pour ton esprit. Tu ne vas pas paniquer. Tu ne vas pas paniquer. Prie pour ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Prie pour ton esprit. Tu seras stable. Les gens qui ont de l'orgueil dans l'âme sont ceux qui ne connaissent pas la vie de Dieu.
Et ils sont nombreux, les chrétiens. Vous les trouvez, ils n'avaient rien. Ils ont l'air humbles. Dès qu'ils ont un petit salaire, souvent c'est même pas 500 000. Oui. Vous vous demandez, mais oui, là, c'est bon Dieu. Il y a des gens, ça je suis pasteur, j'ai vu des choses. Hein. Vous vous dites, mais Dieu, et tu sais bien que là, c'est même peut-être même 250 000 fois des années. Bon ben, Seigneur Jésus, on va où? La parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que la parole juge tes sentiments. Quand tu veux faire quelque chose, que la parole juge. Comment est-ce que beaucoup de jeunes gens se sont détruits en ne marchant pas selon la parole? Mais Dieu est sage. Aujourd'hui, tu es là, tu écoutes ici, tu écoutes là-bas. Qui est ton père? Où est le repère de Dieu pour ta destinée? Est-ce que Élisée a écouté les messages de Moïse? Il a écouté qui? Et puis, qu'est-ce que Josué a écouté? Moïse. Mais toi, tu as même temps chez Josué, c'est Moïse, chez Jésus, c'est Jean-Baptiste. On ne sait pas où tu vas. Tu n'as aucun repère. Et donc, c'est pourquoi tu penses que tu peux t'attaquer à ton père spirituel et puis rien ne se passe. C'est faux. La Bible dit, celui qui déshonore son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Ça veut dire qu'au moment de l'épreuve, tu ne seras pas secouru. Et beaucoup de jeunes gens ont méprisé ça. Je parle, tu es assis. J'ai dit, va écouter les messages. Au lieu de rentrer chez toi, tu commences à me calmer dans ta voiture avec ta femme. C'est ton problème, frère. C'est ton problème. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de partir en fragments. Et ça, tu vas ébranler ton futur. Tu vas éteindre ta lampe. C'est dramatique. Je dis, si vous aimez Dieu, attachez vos choses spirituelles. Je n'avais pas d'argent de Bible. Je touchais 25 000 francs CFA. Je ne pouvais pas acheter des Bibles. Assez de Bible. J'avais quelques-unes achetées. Je voyais mon père spirituel. Je lui dis, s'il te plaît, donne-moi les clés du bureau. Le lundi, comme je ne travaille pas, je vais venir étudier. J'entrais à 8h, souvent à 10h. Je sortais à 18h, sortais à 19h. Je passais toute la journée à étudier. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un me dise qu'il veut servir Dieu et il n'aime pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, en fait, je me demande, mais où est-ce qu'on va? Vous êtes personne, oh, j'ai de l'avenir, je vais régner dans la vie. Et la parole de Dieu, tu n'arrives même pas à la pratiquer? Tu vas aller où? Nulle part. Parce que le commencement était là, parole. Si tu veux aller loin, au commencement là, parole. Tu veux aller loin dans la vie, au commencement là, parole. Tu te lèves le matin, tu manges. Au commencement là, parole. Éduque ton corps à ne jamais lui donner à manger tant que ton esprit n'est pas nourri. Éduque ton corps. Tant que ton esprit n'est pas nourri, tu ne manges pas. Et vous allez vous rendre compte de la vie qu'il y a dans la parole. La vie. Je suis ici au bureau avec mes collaborateurs. Soyez, ouais, je m'en vais à la pause. Oui, mais tant que je n'ai pas fini mon boulot, je n'ai pas faim. Mais je ne comprends pas comment les gens peuvent mettre 3 heures de temps de pause pour aller niam, 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 niam. Et vous, je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de possibilité. Il faut travailler. Vous ne pouvez pas prendre 3 heures de votre travail. De 8 heures, vous prenez 3 heures pour manger. Quelle productivité vous allez avoir? Et à 20h, vous dormez. C'est énorme. Que Dieu te délivre et que tu passes à notre palier au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Faut qu'on soit spirituel. Touche ton voisin, tu dis, le pasteur a raison. Nous devons être spirituels. Dis-le encore à l'autre voisin d'à côté. Le pasteur a profondément raison. Nous devons être spirituels. Et c'est pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, il a été un dictateur dans les voies de Dieu. Il a dit, en ce qui concerne ma maison, ici, la parole de Dieu a la prééminence. Il n'y a pas de démocratie dans ma maison. Dans ma maison, ce n'est pas la démocratie. C'est la théocratie. Dieu règne ici. Tu es cousine, tu es tante, tu es oncle. C'est l'heure de la prière, tu es sorcier, tu es chez moi. Tu t'alignes. Si tu ne veux pas, si. En ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a besoin de radicaux dans cette dimension nouvelle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'embauchons pas dans la maison quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas venir à l'église. Hors de question. Vous savez, le problème, c'est que vous êtes devenu tellement faible, tellement fragile, tellement humain, tellement psychique, mais pas spirituel. Il faut
faut normer ta maison. Par les Écritures. Ça ne sert à rien de ficher à casser. Et puis à la maison, vous vivez comme les animaux. Ce n'est pas possible. Il faut de l'ordre spirituel. Et quand vous mettez la parole dessus, ça veut dire que toi-même, quand tes enfants ou ta femme te questionnent sur la parole de Dieu, quand tu rentres à 1h du matin, la femme peut te demander si c'est vraiment ce que la parole de Dieu demande. Et là, tu n'as pas dit, hey, c'est moi le chef. Non, là, ce n'est pas toi le chef, c'est la parole le chef. On doit se soumettre à la parole. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse ta vie. Et qu'il te condamne à notre palier de vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous pourquoi est-ce que c'est beau, mesdames, d'avoir un homme qui a cru et qui a véritablement cru? Voyez-vous comment c'est beau, messieurs, d'avoir une femme qui est convertie? C'est fabuleux. Je ne sais pas comment vous pouvez avoir une telle richesse et aller chercher ça dans le panier de la mosquée. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tenez-vous debout. On veut être spirituel, d'accord, n'est-ce pas? Oh, lève ta main, dis Seigneur, je veux être spirituel. Je lève, j'ai bien, lève ta main, parce que là, Dieu doit voir ta main. Lève ta main comme ça, dit Seigneur, je veux être spirituel. J'engage mon âme pour secourir mon esprit. Car je reconnais que le premier homme était une âme, un être vivant. Mais maintenant, le dernier est un esprit vivifiant. De mon âme, je prie pour mon esprit. Accorde-moi, ô Père, dans mon esprit, de désirer les choses de Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer sa parole, de lire la parole, de méditer la parole, de pratiquer la parole. Oh mon Père, que ta parole ait la prééminence dans mon esprit et que ta parole sépare mon esprit de mon âme afin que mon âme ne panique point face aux circonstances de la vie, mais qu'elle apprenne à vivre par la foi en faisant confiance aux informations surnaturelles données par le Saint-Esprit à mon esprit. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je refuse de me limiter à ce qui est visible. Je veux coopérer avec l'invisible par ta puissance élevée. Au nom de Jésus, amen trois fois. Alléluia. Restons debout. Père, merci pour cette vérité profonde. Oh Dieu, permets à toute personne, je sais ô combien complexe et profond est cet enseignement que tu m'as donné de communiquer en peu de mots. Permets donc à toutes les personnes qui m'ont écouté de voir cette vérité s'amplifier dans leur homme intérieur. Enfin, qu'en des mots qui correspondent à l'intelligence de leur être au palier de leur vie présente, ils puissent assimiler cette vérité profonde et basculer en mode spirituel, et qu'ils ne soient plus des personnes psychiques ou charnelles, qu'ils ne soient plus connus comme des personnes qui marchent par la chair, mais qui marchent par l'esprit, et que la dimension de la vie avec Dieu, la dimension qui nous donne de céder à l'amour, de céder dans les voies de l'amour, de demeurer dans le chemin de l'humilité, soit ce qui caractérise la vie de chacun d'entre nous, au nom suprême de Jésus. Merci pour ton œuvre puissante et profonde. Au nom de Jésus, j'ai prié, quelqu'un dise amen trois fois. Amen. 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 Alors je vais demander à celui qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, on est debout tous, s'il vous plaît, restons debout. Tu veux donner ta vie au Seigneur, lève ta main comme ça, tu veux donner ta vie au Seigneur. Ce matin, tu dis vraiment, je veux me réconcilier avec Jésus, je veux me réconcilier avec Jésus, lève ta main. J'ai prié pour vous hier, et une équipe encore a intercédé toute la semaine, lève ta main. Tous les autres, asseyez-vous, vous qui avez les mains levées, restez debout. Restez debout, ne vous asseyez pas, restez debout. Vous avez les mains levées, restez debout, vous voulez donner votre vie au Seigneur, restez debout. Venez donc, venez, venez ceux qui sont debout, laissez passer ces 6, 7, 8 personnes que je vois, avancer. Acclamons le Seigneur pour elle. Waouh, gloire à Jésus, acclamons le Seigneur pour elle.
Lèvez vos mains droites. Répétez après moi ces paroles. Et si tu me suis en direct, tu as besoin de louer ta vie au Seigneur, fais avec nous cette prière. Répétez cette parole, Seigneur Jésus. Répétez à haute voix ici, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je te donne ma vie. Donne-moi, Seigneur, de naître de nouveau. Pardonne-moi pour la vie que j'ai menée. Écris mon nom dans le livre de vie. Change-moi radicalement. Je veux devenir un être spirituel. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. En vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, je décrète, déclare, établi ce miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remettez ces fiches, s'il vous plaît. Une fois de plus, apprécions la grâce de Dieu agissant dans leur vie. Que le Seigneur te restaure véritablement, jeune homme. Robo chakabrin, ribabo sakara. Rababo, sorobo, robobo, shingiri, rababo. Rababo sekate. Rondo soko, robo, robo. Rababo, robo, shingabrin. Kanka, please take off. Ça arrive que nous puissions pleurer. C'est la restauration de nos vies par sa puissance élevée. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre. Nous te bénissons.